Ah, on sent l'intensité, hein, montée d'un cran à l'approche de ce match. En étant en direct du stade de Nizhny Novgorod. Salut à tous, Hervé Matou en compagnie de Pierre Ménès. On est très heureux de vous faire vivre ce match de Coupe du Monde. Je sais pas, vous êtes heureux, Pierre? Oh, mais c'est de joie. Bah, tu sais, je me suis toujours des matchs. Hein. Un match de Suisse qui affrontera le Costa Rica. Je n'ai jamais posé la question, Hervé, mais c'est quoi ton plus grand souvenir de Coupe du Monde? Certainement l'équipe de France 98, le titre mondial. À titre personnel, c'est plutôt la Coupe du Monde 94 qui a été la première que j'ai couverte sur le terrain aux États-Unis. Ça a été un grand moment, même si les Bleus n'étaient pas là. On est à Nizhny Novgorod. C'est un nom qu'on a vu refleurir sur les atlas de géographie dans les années 90. Avant, la ville s'était appelée Gorki pendant près de 60 ans. En l'honneur, bien sûr, de l'illustre écrivain Maxime Gorki. Ouais, en fait, les Russes sont les spécialistes des changements de nom de ville. Tu t'en vas 10 ans, tu reviens, la ville a changé de nom. Voici la composition de cette équipe de Suisse avec son organisation sur le terrain. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Voici la composition de l'équipe du Costa Rica qui s'affiche à l'instant chez vous. L'entraîneur qui a choisi de privilégier la défense en s'organisant en 5-4-1. Ben, clairement, il va d'abord commencer le match en essayant de ne pas le perdre. Allez, l'arbitre qui donne le coup d'envoi. C'est parti, ça y est. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La frappe. Oh, c'est contré ce tir. Oh, ce sera penalty. Oh, penalty. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Chaka. Zakaria, Lerim Zemeli. Attention, il a du champ devant lui. Seferovic. Chaka. Là, il en faut plus hein, pour le faire tomber. Il est costaud. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite.
Avenchar. Chakiri. Il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Le ballon change de camp. Ryan Ruiz. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ricardo Rodriguez. Chaka. Munsteiner. Allez, les Suisses qui vont essayer de porter le danger. Une protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Choisit la frappe et le ballon bloqué par le gardien. Peut-être une occasion de but côté suisse. Steven Zuber. Coup de tacle. Celso Gorès. Ryan Ruiz. Allez, il tente sa petite passe aérienne. Bon, on a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Chakiri sur position avec son corps pour protéger la balle. Zakaria. Steven Zuber. La remise directe, c'est bien vu. Ah, trop appuyé, ça passe. Seferovic, Yann Zemeli, Ricardo Rodriguez, Munsteiner. Chaka. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Oh là, il n'est pas passé loin de concéder un peu. Seferovic. Sortie de but. Zakaria. Marco Rigna. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Marquinhos. Marco Rigna. Non, non, ça ne passe pas. Kendall Weston. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Ouais, bonne interception. Il y avait vraiment danger. Et il a toujours le ballon. Munsteiner. Il ne faut pas le laisser là, les Suisses. Attention. L'attaque enrayée par la défense. Bolaños. Et l'attaque va s'arrêter là. Rodriguez. Yann Zemeli. Rodriguez. On pense qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Christian Gomboa. Yann Zemeli. La Suisse avec le ballon. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et dans l'axe, c'est dangereux. Capté par le gardien. Ah non, le ballon est perdu. Oviedo. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Bolaños.
Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Il protège son ballon. Ballon perdu. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ça part bien, action dangereuse. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Oviedo. Cette équipe qui est menée à la pause pour son dernier match de poule. Ouais, elle est menée, mais c'est loin d'être catastrophique. Elle est juste passée à côté de cette première période. Il y a encore moyen de se rattraper. Troisième journée dans ce groupe de Coupe du Monde. Le match qui reprend à l'instant. Ouais, c'est reparti pour 45 minutes. Chaka. Zakaria. Steiner. Oh oui, encore une bonne passe. Les Suisses qui vont essayer de porter le danger. Ah non, ça ne donnera rien. Le ballon est de l'autre fort. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Campbell. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, il ne va plus revoir, il ne va plus revoir. Un centre là pour le gardien, ce centre. Bilal Demery. Zakaria. Peut-être une occasion de but côté suisse. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Chakiri. Lundsteiner. Zakaria. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Chaka. Non, ça n'ira pas plus loin. Rien n'aurait ça. Je tiens comme bois. Ouais, c'est rien. Il a récupéré le ballon. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Steven Zuber. Ah, un bon ballon d'attaque. Chakiri. Ah, l'attaque enrayée. Steiner. Chaka. Ils veulent faire bouger la défense. Attention, ça peut faire bouger. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Il ne faut pas les laisser là, les Suisses, attention. Peut-être l'égalisation. Oh, quelle occasion! Oh, quelle occasion, il l'a manqué. Ouais, il reste du temps dans ce match, mais ça aurait été bien d'égaliser tout de suite. Feifa. Peut-être une bonne opportunité, attention. Pas de prise de risque, ballon dégagé.
Chaka. Il y a une Zanelli. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Jack Campbell. On s'approche de la zone de vérité. Le ballon dans l'axe, attention. Et il capte ce ballon. Il s'avance vers la surface. Randall à ce Fofa. Chaka. Il y a une Zemeli. Ricardo Rodriguez. Ouais, la bonne circulation du ballon. Zakaria. La Suisse avec le ballon, il y a peut-être quelque chose à faire. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Le temps qui file dans ce match, la décision n'a toujours pas été faite. Les 30 derniers mètres. Le centre au premier poteau. Un gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Ah, c'est bien joué, on fait ça. Ouais, la frappe. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. Ça se dresse. La défense qui concède un corner. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, qui veut conserver ce résultat favorable. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Chakiri. Peut-être une occasion de but côté suisse. Touche dans le camp adverse. Steven Zuber. Le danger des points. Les 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Et l'arbitre qui a sifflé, coup franc, rien à dire. Ils vont essayer d'égaliser sur ce ballon, certainement l'un des derniers de ce match. Et c'est donc le coup de sifflet final. Cette rencontre qui s'achève sur une défaite pour cette équipe. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.